avec pour conséquence des blessés, mais aussi une fuite sur le camion citerne, ce qui nécessite pour nous, dans un premier temps, d'évacuer et mettre à l'abri les différentes victimes, de façon à ce qu'elles soient traitées par un poste médical avancé où des médecins vont ouvrir. Après, d'agir de telle façon qu'un périmètre de sécurité soit défini et que tous les gens qui sont soumis à ce nuage soient mis à l'abri et confinés chez eux. Les bouteilles, t'as pris les horaires ? Hein ? David ! David ! Thank you.